أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة أيها الخضوع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى Père, la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité, que Allah pardonne nos erreurs, que Allah pardonne nos défauts. Chers frères, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les propos, il vient commencer, il a quelque chose qu'on appelle sa khutbah tul haja. C'est ça qu'on vient de faire, inna alhamdulillah, jusqu'à la fin. Dedans, le prophète en train de dire l'humanité, man yahdihillah fala mudilla lahu. Celui que Allah a guidé, personne ne peut pas l'égarer, car Allah nous guide. Et il a dit, wa man yudilil, celui que Allah l'a égaré, personne ne peut pas l'orienter. À la fin, il a dit, inna asdaka al-hadith kalamullah. Il dit, le meilleur qui est la vérité, sûr, garanti, c'est la parole de Allah qui est Al-Qur'an. Et il a dit, wa khayrul hadith, le meilleur des guidances pour gagner le paradis, hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est celle que le prophète a menée. Ça connaît ça quand il veut mourir. Les compagnons qui étaient à côté de le prophète Mohammed, ils ont dit, le prophète, il va partir. Tu nous laisses avec quoi? Il a dit, taraktum fikum amarayni. Ma im tamsaktum bihima lam tadillu min ba'di. Kitabullahi wa sunnati. Il dit, je vous laisse des sujets. Si vous les accrochez et vous les tenez comme ça dans vos mains, le prophète a dit, vous ne serez jamais égaré après moi. Jamais. Il a augmenté Abadan. Jamais. Si vous les tenez, vous allez travailler ce que le Coran a dit. Et faisez ce que le prophète a montré. Pas Yahoud, pas Nassar. Dessus le sang du prophète Mohammed. Où ils ont mis les pieds, où les sahabes ont mis les pieds. Le prophète a dit, l'antadillou mimba a dit Abada. Et dit, vous ne serez jamais égaré après moi. Jamais. Le prophète, c'est quoi? Il a dit, Kitabullahi, le livre de Allah qui est Al-Quran, il y a tous les noms. Wa sunnati, avec mes enseignements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a trouvé toutes les religions adiyan. Ils avaient leur invitation, ils avaient leur fête qu'ils fêtaient. Quand le prophète a dit et il a dit, je suis là, tous les fêtes sont bannies. Allah nous a changé avec deux fêtes. La fête du Ramadan
et la fête de Tabaski. C'est comme ça que le prophète a parlé dans les soirées musulmanes. Il dit, Allah bannit toutes les fêtes. Celui qui est musulman, croyant, pratiquant, tu as deux fêtes. La fête du Ramadan et la fête des quoi? Tabaski. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, depuis Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, vous allez voir que Allah est en train de mettre en garde à l'ennemi musulman de ne jamais copier Yahoud, de ne jamais copier Nasara. Il nous a mis en garde fort. Et il nous a dit, soyez, c'est-à-dire, soyez vigilants avec ceux-là. Si vous les approchez un peu, ils vont vous égarer. C'est comme ça qu'on nous parle. Et dans les hadiths, le prophète il dit, vous qui sommes les musulmans, faisiez tout contre les Yahoudou. Et faisiez tout contre les Nassar. Si ils ont pris à gauche, vous prenez à droite. C'est comme ça le prophète dit. Il dit, Khalifu Yahoudou wa Nassar. Fi marabisihim, wa fi majalisihim, wa fi kulli shay'in hatta mu'amalati. Il dit, faisait contre les Yahoud, faisait contre les Nassara, dans toutes choses. La manière qu'il mange, ne mangez pas comme ça. La manière qu'il s'habille, ne vous habillez pas comme ça. La manière qu'ils font leur fête, vous ne faites pas comme ça. C'est à cause de ça, vous voyez, le prophète nous a donné des indications. Et le Coran est venu affirmer que nous, les musulmans, c'est nous qui sommes meilleurs, les communautés de prophètes qui sont meilleurs. Chers frères, pourquoi les gens font l'aventure? Les aventureux, raisonnez-vous, posez une question, pourquoi nous avons fait l'aventure? Aujourd'hui, si quelqu'un il est en Afrique, il veut rentrer l'Amérique, l'Imaza, il sera l'Afsak. Parce que le dollar est plus valable par rapport à ses femmes. Tu veux rentrer en Europe parce que l'euro est plus valable par rapport à ses femmes. La valeur est considérée. Et Dieu a dit, c'est vous qui sommes les meilleurs. Quelqu'un qui est meilleur ne cherche pas ce qui est moins de meilleur. Allah dit, kuntum khayrul umma. C'est vous qui sont les meilleurs des Oumma. Vous les musulmans. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dépasse. Ça là, ce n'est pas nous qui avons fait notre association et on a fait le pantalon que c'est nous qui sommes meilleurs. Celui qui a parlé ça, c'est celui qui a créé le ciel et la terre qui a dit c'est vous qui sommes les meilleurs. Et ce n'est pas nous qui sommes partis négocier auprès d'Allah. C'est lui qui nous a créé et il connaît que meilleur et il a dit c'est communauté des prophètes qui sont meilleurs. On dépasse tout le monde. Salam alaykoum. Qui d'entre nous qui a un euro dans sa main, il va accepter de donner quelqu'un 10 000 francs? Admettons, toi tu es un euro et quelqu'un te donne 1 000 francs pour prendre ça, tu vas accepter? Un dollar. Quelqu'un te donne 1 000 francs d'accepter, tu vas accepter? Non! Ils ont entamé du nous. Là tu n'es pas conscient. Oh, voilà pourquoi le prophète a dit les musulmans ne font frère contraire des Yahoud Bonassara. Je veux commencer par avouer jusqu'à va arriver les fêtes de Noël et bonne année. Si l'État nous permet. Premièrement, je vous ai dit, l'islam a banni tous les fêtes sauf deux fêtes. Ok? Masha'Allah. Le prophète Mohammed. Islam est venu trouver les Yahoud. Si leur femme y fait règle, elle ne prépare pas, on ne la garde pas dans la maison, personne ne l'adresse pas la parole, elle n'a pas le droit de fréquenter les gens, on l'amène loin de la ville. Tu as vu comment ils minimisent les femmes? Vous avez vu comment ceux-là ne considèrent même pas les femmes? Parce que la femme fait règle. On dit on ne mange pas son nourriture.
Or elle n'adresse pas la parole, elle ne fréquente pas les gens, elle n'a même pas le droit de rester avec les gens dans la ville. Tweet, on est à l'avenir hors du pays. Voilà ma dia à l'islam, le moment que l'islam est venu. Qu'est-ce que Allah nous enseigne? Qu'est-ce que le prophète nous enseigne? Il dit, nous les musulmans, si nous faisons faire règle, le prophète a dit, Islam ou kulla shay'in illa nikaha. Le prophète a dit, faisait toutes choses avec vos femmes, sauf seulement rapport sexuel. Yes, aluna ka'an il mahidi. Kulu aza. Fa atazilu nisaha fil mahidi. Wala taqrabu hunna hatta yatukurna. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله continue la dit نساؤكم حرص لكم فآتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. On va t'interroger sur les femmes qui font règle. Est-ce qu'on va les chasser de nos maisons? Est-ce qu'on ne veut pas laisser la parole avec Allah de Koulou à Hazard? Dis non, le sang qui sort là, c'est la sanité. Voilà, takrabu hunna aïla tujami hunna. Ne les approchez pas, ce n'est pas les approcher pas, faut pas s'asseoir avec ta femme, non. C'est-à-dire, quand ta femme fait règle, l'islam interdit, ne fais pas un rapport social avec elle. Allah dit hatta yetu hurna. Jusqu'à le moment qu'elle va être propre. Le sang est fini, elle a lavé. Vous allez les approcher. Faiza Toto Harna, si elle a purifié son corps fini, Allah dit Fatou Hunna min Haïsu Amarakumullah. Le moment qu'il peut approcher ta femme, faire rapport sexuel. Mais Allah dit si tu veux faire rapport sexuel, min Haïsu Amarakumullah. Il faut passer par là où Dieu dit on passe. Il ne faut pas passer de l'autre côté. Est-ce que les gens me suivent? Non. Nous sommes dans la mosquée, c'est lourd de parler. Voilà pourquoi on a parlé ça comme ça. Min Haïsu. Parce que tu le suis sur la vie, quelqu'un en train de planter le mille sur les goudrons, on va dire il est fou. Mais le mille, on prend ça où? Dans la terre. Là où ça peut pousser, où il n'y a pas ça. Voilà pourquoi là, si vous voulez faire rapport avec vos femmes, passez par là où Amarakumullah, là-bas on peut gagner l'enfant. Est-ce que vous avez compris? Mais il ne faut pas aller passer l'autre côté. Non, non, non. Mais haïsu Amarakumullah. Alors pourquoi? Elle a dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah, il veut les gens qui repentent. Il veut les gens qui se font propre. Ils font la purification. Ça peut être ça, si ta femme fait règle, ne l'approche pas. Et le prophète a augmenté, il a dit, Islam ou kul le shay'in illa nika. La manière que Yahoudi chasse les femmes, il ne parle pas avec elle. Il dit, toi, musulman, si ta femme fait règle, tu peux laisser à côté de elle, tu mets ton, mashallah. Et le prophète a dit, tu peux la caresser. Tu peux jouer avec elle, mais seulement ne fais pas rapport sexuel avec elle. Elle va préparer, tu vas manger, tu peux la faire bijou. Excuse-moi les termes. Tu peux faire tout. Le prophète a dit Isna okul la shay'in illa nika. Aïe, Isna okul la shay'in illa jima'a. Jouer avec vos femmes, tout. Tu as vu ici, le prophète a tenté de nous saigner, de faire contraire de qui? Yehoud. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Yahoudou, il reste les barbes et les moustaches. Tu vas voir moustache ici, long comme ça. Barbe ici, long comme ça. Et le prophète nous a dit, nous aussi, il a dit, il y a ou l'Iya. Laissez les barbes. Et le prophète a dit, raser les moustaches. Là, si musulman, parce que pour faire contre Yahoudou, mais si toi tu as rasé ton baron et tu as laissé Moussa, c'est comme tu as dit le prophète, tu es menteur. Iyakum. Iyaka summa iyaka. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le hadith qui a été corrigé aujourd'hui. Est-ce que les gens me suivent? Le prophète a dit enlever les moustaches et laisser les barbes. Parce que les Yahoudis ils ont tout. Vous faisiez contre eux et on enlève les moustaches et laissez les barbes. Les Yahoudis sont les moustaches, ils ont quoi? Les barres. Halif Yehoud faisait contre des Yehoud. Le mot qui a sorti aujourd'hui, c'est lourd. Il faut que vous allez patienter. Tout le monde est capable de parler pour ça. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
Et il a dit, Yahoud ou Nassara, ils s'habillent comme on habille. Mais il faut que notre habillement est différent pour eux. C'est à cause de ça, on a dit, on ne veut pas pantalon des musulmans, tire au sort. Soulevez-vous pantalon, ce n'est pas nous qui a dit, c'est Mohammed Rasulullah qui a parlé qu'un croyant, son pantalon ne tire pas au sort. Qui au moins n'a qu'à contrôler son pantalon. Là, ici, ça, tout le sort, il faut tirer, c'est ça. Allah dit, c'est comme il dit, c'est Mohammed qui a dit. Il ne faut pas laisser ton pantalon tirer au sort, c'est interdit. Le prophète a dit, Mandjara Sobou, Houlaya, l'amiyanzoullah, yom al-qiyam. Toute personne qui a laissé son haut qui tire au sort, son pantalon qui tire au sort, Allah ne va pas te regarder, yom al-qiyam. Et il a augmenté les mots. Mandjara Sobou, il a dit, Houlaya. Il a laissé pantalon tirer au sort, le haut tirer au sort, Houlaya. C'est pour faire vanter. Le prophète a dit la personne comme ça. Parce qu'il y a certains qui tirent, mais ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Certains aussi, ça dépasse à tirer. Peut-être c'est le travail qui les a obligés. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on parle de celui qui fait orgueil. Il ne voit pas Allah Yom Al-Qiyam. Il a dit pourquoi on est qu'à faire contraire de Yahoud. Quand on voit tes habillements, c'est que lui, là, c'est musulman. Même les jours, Allah nous a fait contraire. Le prophète Muhammad, il a dit, Massal al-mu'minina wa al-yahoud wa al-nasara, ka massal al-rajul al-istajar al-ajira. Il dit, c'est comme exemple quelqu'un qui a pris les travailleurs. C'est Allah qui a dit les gens, venez travailler. Il a appelé Yahoud wa al-nasara. Il a dit, voilà les salaires. Celui qui va travailler depuis matin jusqu'à le soir. Admettons, le travail commence à 7h. Celui qui a travaillé 7h jusqu'à 17h, on va te payer 30 000. C'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple que le prophète a donné à Yahoud wa Nassar. Les Yahoud, ils ont commencé le travail. 17h jusqu'à midi, ils ont arrivé midi, ils ont dit qu'ils ne vont plus continuer. Continuez, on vous donne l'argent, il dit même l'argent, il ne veut pas, mais ils ne vont plus continuer, ils s'arrêtent là. Tu as vu, ils sont sortis, ils n'ont pas gagné quelque chose. Les chrétiens, Yahoudou, ont quitté, les nations sont venus prendre. Et ils ont pris à 12h. Ils ont fait jusqu'à à 15h ou à 16h. Et aussi, ils s'arrêtent. Et Dieu, on est fatigué. On dit, mais il reste 3e état terminé. À 17h, on va vous donner l'argent, il dit, on ne veut pas l'argent. Ils sont partis, les musulmans sont venus prendre à 16h jusqu'à 17h, on les a donné 30 000. Vous n'avez rien compris. Je m'explique. Les Yahoudou, ils croient tous les prophètes. Ils croient tous les prophètes jusqu'au prophète Moussa. Mais ils ne croient pas prophète Issa. Et ils ne croient pas prophète Mohammed. Ils s'arrêtent seulement prophète qui? Moussa. Voilà là où ils sont arrêtés. Voilà pourquoi ils n'ont rien manqué. Les chrétiens aussi croient tous les prophètes jusqu'à Moussa. Mais ils sont arrêtés sur qui? Issa. Mais ils ne croient pas les prophètes. Voilà pourquoi ils sont vite. Mais les musulmans, nous on a pris depuis là-bas jusqu'à où? Dernier. Aman al-Rasul bima unzila ilayhi. Min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bayna ahadin min rusuli. Nous on croit tous les prophètes, on croit tout. On croit Issa, on croit Moussa, on croit tout. Et voilà pourquoi nous on a pris tout. Voilà la différence entre les musulmans, entre les Yahoudou, entre comme ça. Allah facilite-nous.
C'est certains gens qui sont venus interroger le prophète Mohammed. Le prophète est venu enseigner de connaître qui est Allah. On n'a pas besoin de ta prière. Ah, la prière, Allah n'a pas besoin de prière d'abord. Il n'a pas besoin de carême d'abord. Il n'a besoin de rien. Allah veut connaître, il faut connaître qui est Allah d'abord avant que tu l'adores. Wallahi, tout musulman qui ne connaît pas Allah, toute l'adoration c'est zéro. Il faut connaître qui est Allah d'abord. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on appelle tawhid. Parce qu'il ne faut pas comparer Allah et Caïn. Il ne faut pas comparer Allah et l'arbre. Il ne faut pas comparer Allah avec l'homme. Il ne faut pas comparer avec Allah et les chairs. Jusqu'à maintenant, tu ne connais pas qui est Allah. Voilà pourquoi le prophète a pris 13 ans pour enseigner La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Il n'y avait pas la prière là. Il n'y a pas la prière. On veut que l'on connaisse qui est Allah. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui ne connaissent pas Allah. Les gens sont venus demander le prophète Allah que tu parles quand le cas il croit. Il est quoi? Il est diamant? Il est l'or? Sifna, donne-nous exemple de connaître qui est Allah. Le prophète, quand on lui pose question, il ne parle pas. Aïe. Ça pour ça dans le Coran, vous attendez, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, sa'ala sa'il bi azab al-waqi', yas'alunaka 'an yatama, yas'alunaka 'an shahr al-haram kitab fihi, yas'alunaka. Quand on pose question le prophète, il se tait. Dès que ce tait, ça n'arrive pas, malaka dit la même réponse. C'est comme ça. Et c'est comme ça, lui-même, Rasulullah, tous les prophètes, quand ils les insultent, ils vont répondre. Mais le prophète, quand tu lui parles, ne répond pas. C'est Allah qui répond à sa place. Abdullah Abi a dit, les haza jama'atana, tabbaïka ya Rasulullah. Allah dit, tabbatiyada Abdullah Abi wa tabba. Quand il provoque Muhammad, c'est Allah qui prend défense. Ne paniquez pas. Ceux qui vont écrire le qu'est-ce. Ils insultent le prophète, non? Il n'a qu'à continuer. Vous allez voir comment ça va faire. Rasulullah, Habibullah. Non, tu ne peux pas le toucher pour sortir d'elle. Tu as menti. Aujourd'hui, tout le monde, quelqu'un qui a insulté Barack Obama, tu vas passer où? On ne peut pas te trouver. Tu vas rentrer où? On va te lancer quelque chose qu'on appelle mental d'arrêt. C'est-à-dire n'importe où tu es. Il faut qu'on t'amène Haïdé. Mais c'est Mohamed que tu vas jeter à l'aide. Non, tu as menti. Allah aussi va te lancer mandat d'arrêt. Et ici, pour Barack Obama, c'est les gens qui vont te chercher. Pour Mohamed, c'est les anges qui vont te chercher. Leïla wa Nahara. Ils vont te chercher. Ça veut dire ça, le prophète, quand lui pose conseil, il ne répond pas. C'est Allah qui répond. Les gens sont venus demander, dis-nous qui est Allah, il est comment le prophète tu malaka Jibril a mené sur le Hilas. Allah dit, tu connais sur le Hilas? Non, tu ne connais pas ça. Est-ce que les musulmans connaissent sur le Hilas? Non. Si les musulmans connaissent sur le Hilas, un musulman ne fait pas les fêtes des chrétiens. Les fêtes des Yahoud, vous ne devez pas fêter ça. Vous ne devez pas le croire parce que les gens ne croient pas sur le Hilas. Parce que les chrétiens, ils ont nié sur la Tihilas. Les Yahoulou, ils ont nié sur la Tihilas. Sur la Tihilas, c'est aussi Allah qui est en train de montrer qui lui il est. Voilà pourquoi le prophète a dit toute personne qui a lu sur la Tihilas, et la récompense, comme il a lu un tiers du Coran. Si tu as lu ça trois fois, on te donne récompense, comme tu as lu trois armes entières. Et si tu es, à chaque moment tu dis ça, à un moment Allah te dit c'est fini, on t'a mentionné, on tombe dans le paradis. Oui. Sourate Hilas. Monothéisme pur. Allah mène cette verset du cool. On demande qui est Allah dans le prophète, il dit, Hu Allahu Ahadu. Allah, quand on demande son sujet là, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Yahoud et chrétien ont dit. Ça fait combien? Allahu Ahad. Ils ont dit on est des fils et des pères et Saint-Esprit. Subhanallah. 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 Takadu samawati yatafattarna
وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ الولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا. الله il est seul. Il est celui-là qui est le séduit. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ضمير. Il n'est pas dit lahum. Il n'est pas dit lahuma. Lahu mulku samawat wal ard wa ila Allahi turja'u al umur. Yuliju al layla fi al nahari wa yuliju al nahara fi al layl wa huwa alimun bi zati al sudur. Seul. Allahu ahad. Il est seul. C'est encore ça dans le sourate Rahman. Et dit كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. Ça va rester seul lui à part. Tout sauf à finir. كل هو الله أحد. Ils ne sont pas des nitrois. Allah سبحانه وتعالى إلا دي لو كان فيه ما إله غير الله لفسدتا. Il a dit en voilà, s'il y avait deux dieux, ça devait gaspiller. Même à l'air là-haut, d'abord, on a problème, on n'a pas problème. L'autre dit l'autre, oua, oua. Combien ça va ça? Toi, c'est dans le ciel, si aussi il y avait deux dieux, Allah dit la façadata. L'autre dit la pluie va tomber là-bas, l'autre dit c'est Cameroun. Tu as un problème, il Allah dit la façadata. Il a dit, je vais seul. Il est seul qui donne la richesse. Il ne demande pas quelqu'un. Il est seul qui donne la vie. Il ne demande pas quelqu'un. Il est seul qui donne les enfants. Il ne demande pas quelqu'un. Il est seul qui donne la santé à celui qui ça lui plaît. Il ne demande pas quelqu'un. Celui qu'on appelle pour Allah. Car les musulmans ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est à cause de ça qu'on tombe dans les associations. On rentre dans les charlatans. On rentre chez les sorciers. Si tu connais un kulhu Allah, ça te suffit. Oh. On a mis ça à côté. Malaka Jibril a dit Allahu Samadou. C'est Allah qui est Samadou. Samadou, ça veut dire quoi? Tout dunia, tout le monde a besoin de lui, mais lui, Allah, il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Samadou. Subhanallah. Mon grand imam Oustal qui m'enseigne qui est là. On est quand demandé imam Youssef. Fadila touché, akramak Allah. Voilà Malaka Jibril, Allah nous a dit, dis-nous, tu as besoin de quoi? On va faire une semaine, même il m'en parle encore si t'es fini. Il va finir, mais Malaka Jibril va dire, pardon, il reste quelque chose encore. Mais wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lui depuis qu'il a créé Dunya, et tout ce qu'il nourrit les gens de Dunya. Il donne celui qui veut santé, santé. Il donne celui qui veut l'argent, l'argent. Il donne celui qui veut pouvoir, pouvoir. Il a dit, Allah dit, depuis qu'il est en train de partager dans son trésor, ça n'a rien diminué. Allah dit, le jeu qui a diminué, il a dit, c'est comme quelqu'un qui a pris son doigt et l'a mis dans la mer. L'eau qui a touché les doigts, Allah dit, c'est ça qui a diminué. La mer qui reste là, Allah dit, c'est mon trésor qui est avec moi. Ça va lui. Il n'a pas besoin de quelque chose. Nous tous, là, quand on fait, doit demander qui? Même celui qui est gaga, il demande qui? Les chrétiens qui disent, au nom de. Quand il y a le problème, il dit quoi? Mon Dieu. Nous, on était quelque part, on a eu grand problème. On était avec les chrétiens. C'était chaud. On pensait qu'on est mort. Wallah, et tous les gens musulmans ont commencé. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Les chrétiens aussi sont à côté. Quand c'était chaud, Wallahi, Billahi, les ilaha, ilaha, gay. Les chrétiens ont oublié prier, ils ont commencé là, il a avec nous. Avant qu'Allah nous a sauvés. Billahi, les ilaha, ilaha, gay. Un jour, j'ai raconté un des Nigériens. Nigériens, les gens frères, le bien frère là, je lui connais, on était ensemble. Quand je l'ai raconté, ma vie, il a dit, ah, imam, il a dit, oui, mais ça va, lui. J'ai dit, tu es devenu musulman. Il dit, ah, jusqu'à, j'ai dit, hey, il ne faut pas oublier ce qui nous a passé d'elle. Et Allah parlait ça, wallah, depuis que moi j'ai fait mes études, j'ai vu cette passage dans le Coran. J'ai appris mon tafsir chez beaucoup de connaisseurs. Ils m'ont expliqué, j'ai compris. Mais je n'ai pas compris cette tafsir-là comme les jours-là. Allah dit, fait Isara qui me fait fou le qui. Da'allah, mourlissina, l'ordine, falamma anjahum il al-barri. Et d'ici, les gens montent sur la mer. Le moment que la vague les a menés à gauche, ça les a menés en droite, ça les a soulevés. Ils voient la mort comme ça, tout le monde a Allah à vous pour les signes. Les gens oublient tout. Wallah, personne n'appelle pas Tienno. Wallah, personne n'appelle pas Karmoko. Personne n'appelle pas Alpha. Tout le monde appelle qui? Allah. On oublie tout. Mais Allah dit le problème, Falamma Anjahum, il est barbe. Si je les sauve, je les amène sur le côte. Il commence à marcher, Allah dit, tu vois, il recule derrière, il me laisse maintenant. Allah au somme, tout le monde est besoin auprès d'Allah, c'est ça qui est somme. Allah facilite nous. Ça peut être le moment que les gens ils ont dit Jésus, il est le fils d'Allah. C'était aussi dit Allah. Allah aussi a dit Man Masihu ibn Maryam. Il a rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqan. كان يأكل الطعام. انظر كيف نصرف الآيات. Allah dit Jésus n'est rien, il est prophète comme les autres prophètes. Avant qu'il arrive, il y avait les prophètes qui sont déjà passés avant qu'il arrive. Et Allah dit sa maman aussi n'était rien. Elle se dit que c'est une femme vertueuse. Et Allah dit pour savoir qu'ils ne sont pas des dieux, كان les deux là يأكل الطعام. Ils mangent, Allah ne mange pas. Demandez les chrétiens, n'ont pas vu Jésus en train de manger le pain. Allah dit quand il y a coulé les toits, hein? Il mange une routine. Allah lui ne mange pas. La yoti imu, wawa yoti imu. Allah lui ne mange pas, c'est lui qui donne à manger. Il ne boit pas, il ne dort pas, il ne meurt pas, il ne fatigue pas, il n'absente pas. C'est comme ça Allah dit. C'est Allah qui est son. Et il a dit quoi? La malaïka Jibril dit le prophète, il dit, l'ami Yali dit, Allah n'est pas engendré, c'est-à-dire Allah n'est pas fait l'enfant. Il a dit, ma yambaki li rahmani an yattakhiza walada. Ça ne permet pas à Allah le miséricordieux d'avoir l'enfant. Oh! L'enfant, hein? C'est un cadavre qui cherche l'enfant. On cherche les enfants pourquoi? Parce que nous allons mourir. Un jour nous allons mourir. C'est comme ça qu'on cherche l'enfant. Allah ne met pas. Et ça ne permet même pas à Allah d'avoir l'enfant. Allah n'a jamais d'enfant. Il a dit le mien, il dit. Allah n'est pas jamais fait l'enfant. Les chrétiens aussi disent Jésus, il est quoi? L'enfant de Dieu. Subhanallah. C'était aussi, il est quoi? Dieu. Subhanallah. Allah dit le mien, il dit. Deuxième, il a dit voilà, youlali. Allah n'est pas été agendé. C'est-à-dire, il n'est pas de père ni de mère. C'est ça qui est sur notre ilas. C'est pas fini. Et c'est de là qu'elle a dit Wallam yakun lahu kufwan ahad. Donc ici il y a les musulmans, même à l'école, les gens parlent quelque chose. Tu as vu, Allah dit rien n'est ressemblance à Allah. Et les chrétiens aussi disent l'homme est l'image de qui? C'est erreur, bien, c'est pas erreur. Allah dit Wallam yakun lahu kufwan. Rien n'a son ressemblance. Et les gens aussi disent
L'homme est ressemblance à Allah. Subhanallah. Non, 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 non. Ça, ça, quand quelqu'un passe, il est associé à Allah. Ça peut te faire sortir de l'islam. Si tu n'as pas compris la vie, Allah n'est pas son exemple. Il nous écoute et Bashir, il nous voit. Allah donne la compréhension. Si on dit l'homme a imaginé Dieu, comme les chrétiens disent, on est capable de prendre cette version pour travailler. Bon, Allah aussi il a dit il écoute, mais son écoute, ce n'est pas comme nous. Il voit, mais la manière qu'Allah voit, ce n'est pas comme nous. Tu me vois, je te vois. Est-ce que tu vois sur la route ici? Combien de clandestins qui passent là? Tu les as vus? Là, tu n'es pas ressemblant à ça. Allah dit il voit tout le monde. Quand même les fourmis qui marchent sur cette terre, Allah les voit. Laisse la caméra ici. Là, l'homme n'est pas ressemblant à Allah. Et toi, tu le sais, tu vous écoutes. Les voix qui se lèvent devant, est-ce que vous les entendez? Non. Bon, Allah, il est là. Nous tous ici, tout le monde qui se lève la main, il fait droit. Il demande qui? Allah. Et s'il était ressemblant à toi, le moment que l'autre parle avec toi, quand le deuxième part, tu n'attends pas. Mais lui, Allah, tous les gens parlent, tout le monde, il comprend tout. Laisse sa cabeça chez vous. Allah dit, voilà pourquoi quand tu n'es pas fait l'école, je n'ai pas dit l'école française, je parle l'école de l'islam. Et si tu n'écoutes pas les prêches, tu es foutu. Wallahi, tu es foutu. Billahi, Allah m'a appelé l'homme qui n'apprend pas sur la science de l'islam. L'homme qui n'écoute pas les prêches. Allah dit, Ashka, l'homme malheureux. Allah dit, voyez, te djannabu hal Ashka. C'est malheureux qui va tourner au dos les enseignements et d'apprendre la science et d'écouter la parole d'Allah. C'est malheureux qui tourne au dos. Allah dit malheureux aussi, celui qui va goûter l'enfer, mais ce n'est pas petit l'enfer, l'enfer qui est grand. Allah préserve-nous. Vous avez vu sur la dégâts, la fête des Noël est basée sur quel critère? Nous allons regarder. La fête des Noël, c'est naissance de qui? Et Isa et il dit c'est Dieu, non? Là, ça montre que la fête des Noël, c'est naissance de qui? La descente de Dieu. Là, quelqu'un qui a fêté ça, tu as toujours béni Allah. Là, tu as nié, l'ami Ali dit. Voilà, la Bible. Et nous, c'est interdit. Le prophète Mohammed, il nous a donné deux fêtes. Le troisième, quand Allah nous a fait cadeau, c'est ça qui est vendredi. En dehors de ça, on n'est pas aucun fête. Un musulman ne fête pas Noël ni mon ami. C'est les fêtes des autres. Nous sommes, nous ne connaissons pas. Parce que c'est l'association directe. Voilà, c'est l'association directe. Avant que je vienne ici ce midi, moi j'étais là, il y a ma nièce, son enfant venait chez moi. Et il a pris un de ses amis, je ne sais pas l'enfant de qui, on dit c'est musulman. Parce que le nom qu'elle m'a donné, c'est le nom de West Afrique. Wallah, quand il sort dans ma maison, dans mon salon, le petit là, il commence à sentir ses lèvres. Les chansons des Noël là qu'il chante. Il est en train de chanter, c'est tout. Ça, c'est à quelle voix? J'ai dit, hé! Toi, ça, c'est quoi? Tu es Gabonais, il m'a dit, non, tu t'appelles comment? Il m'a dit, il s'appelle Mamadou, quelque chose comme ça, le petit là. C'est comme ça que je l'ai dit, il ne faut pas chanter ça. Ça, c'est pas pour nos petits. Vous savez comment il m'a dit? Il m'a dit ça à l'école qu'on nous a enseigné. J'ai dit qu'il t'a enseigné. Il dit c'est ma maîtresse qui m'a enseigné. Quand on a chanté ça et on tape les mains. Ah. Vous savez, c'est quoi? Il a amené ça à la maison, mais il n'est pas venu. Voilà. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Hein? On a. Quand on nous facilite. Hein? C'est le problème qu'on a. Ça veut dire que les musulmans ne faites pas les défaites, là, c'est pas pour nous, s'il vous plaît. Même si nous sommes dans des pays non musulmans, mais on ne fait pas ça. Aïe. Le prophète Mohammed, il a dit Man tashabbaha bi qawmi fa huwa minhum. Il a dit celui qui copie les gens, Allah va te ressusciter avec Yom Al-Qiyam. Oh, cet hadith là, ça fait peur.
cette alice là, ça fait peur. Mantacha Bahabikor Foromino. Celui qui copie les gens, tu es avec qui? C'est eux qui vont nous copier. Nous, on n'est pas droit de copier au bout de Wanassara. Le prophète a dit Harif Yahoud Wanassara. La tachabah Yahoud Wala bin Nassara. Il faisait contre Yahoud Wanassara et ne les mitait pas. C'est-à-dire ne copiez pas Yahoud Wanassara dans toutes choses. Ça peut dire ça, le prophète a dit même les jeunes. Il a dit toute personne qui va raser la tête. Wallahi, il a dit, si tu veux raser ta tête, le prophète a dit, il ne faut pas raser ici. Raser ici. Tu laisses les cheveux ici. Le prophète a dit c'est haram. Il a dit, imma anta turka kulla wa imma anta kusukubla. Il a dit, si tu veux raser, ou ça tu prends tout, ou ça tu laisses tout. Mais l'islam n'était pas donné autorisation. Quelle sont la jeunesse que tu vas amener à l'islam? Des raser ici, des raser ici. Non, aujourd'hui, mais il y a certaines races. On rase, on fait ça comme ça, on appelle ça tout faire. Haram! Demandez aux jeunes, ils connaissent ça? C'est le modèle, on appelle ça tout faire. Et quand tu vas raser comme ça, là, pantalon jeans serré, avec certains babouches, ce n'est pas le cuir. Les babouches que les jeunes ivoiriens, ils aiment ça. Là. C'est ça que tu vas porter. Et avec, quand tu portes ça, avec cette coiffure là obligatoire, il faut avoir ça autour, derrière toi. Ça, c'est style tout faire. Donc, nous allons regarder, c'est tout faire qu'Allah dit on va copier ou bien quoi. Allah dit, la quelqu'un, la fille, Rasulullah, qui est au soir. Il dit, c'est sur le prophète qu'on a bonne image. C'est pas sur le Toufan. Et Toufan aussi, on a trouvé ça où c'est certains bandits togolais, les jeunes togolais, des chansons, des bandits, des délinquants, qui ont chanté. Vous savez, les Yahoud Wanassara aujourd'hui, ils veulent tromper les musulmans. Ça après ça, si on voit un jeune musulman qui a chanté, on va lui aider pour que. Pour le soulever, quoi. Depuis que vous êtes là, vous êtes en train de supporter le ballon. On est en train de frapper, on dit quoi? Coupe du monde et Coupe d'Afrique. Israël, vous avez attendu qu'Israël a parti Coupe du monde? Je vous pose question. Est-ce que Israël a organisé Coupe du monde dans son pays? Israël n'a pas l'argent. Il n'est pas l'état de ça. Parce qu'il cherche vous les musulmans, c'est les armes qu'il fabrique. Mais vous les musulmans, vous organisez la Coupe du monde. Elle est organisée? Elle est en train de bouffer notre tête. Parce qu'il a les armes. Aujourd'hui, Israël seulement, si on veut lui faire la guerre, il faut tout d'union, ils vont faire la guerre avec lui. Petit pays, ça n'arrive pas à Babon. Israël. Mais la puissance qu'ils ont, ils s'en foutent des Babon. Ils fabriquent les armes. Mais nous, on est là, c'est Babon. Oui, oui. Babon arrive, tu vas aller payer écran plat. 300 000, tu n'as jamais donné ta maman 300 000. Ta maman au village là-bas, elle souffre. Elle va partir lointain, aller piser l'eau. Tu as payé un gros écran comme démon dans ta chambre. Tu es en train de regarder le football. Ta maman au pays là-bas, elle souffre. On dit paradis, tu dis ami, tu frottes le visage, tu es menteur. C'est pas ça qu'on fait ici. C'est pas ça qu'on fait. Allez voir. Et le football, celui qui met l'argent dedans pour que les musulmans, c'est les Yahoud. Mais lui, il ne fait pas. Les chansons, celui qui fait. Mais il n'est pas. Même les banques, tous les banques que vous voyez, les banques de riba, c'est les Yahoud qui a ouvert ça. Mais lui, les Yahoud, il ne dépose pas son argent dans les banques. Alors, ne les méditez pas. Faites contre eux. Eh, ça ne fait pas la mienne. Le prophète a dit, Mantacha Bahabikoumi, Fahou Amini. Aujourd'hui, on a trouvé des musulmans, ça arrive. Lui aussi va payer cadeau. Il ramène son enfant, il dit, c'est ton cadeau. Quel cadeau? Tu copies où, mon frère? Mais tu t'es minimisé? Oh! Même la route concerne le prophète a dit, quand tu rencontres un Yahoud ou un Nassara, c'est interdit. C'est pas musulman qui commence à. Musulman ne doit pas commencer à lui saluer. Là! Là, tabdaou bi Yahoud ou un Nassara, bisala. Tu n'es pas droit de commencer à salier un kafir. Montre ta grandeur, c'est lui qui va commencer à te salier. Et attention.
On vient parler comme ça, demain tu arrives, ton patron ministre, il t'attend. Il faut expliquer les gens, il y a certains qui sont dits là. Ministre va dire, mais Moussa c'est comment? Il dit, non, ça nous a dit, c'est toi qui m'avais salué, mais là. Ministre va dire, bon, va s'asseoir à la maison. Il dit que je vais salir, tu viens au travail. Car là, dans la compréhension. Et cela, il faut expliquer les gens. Explique bien les gens. Toutes choses, on passe avec quoi? Hikma. Je ne sais pas si vous comprenez. On passe avec le hikma, la sagesse. Ton patron, c'est ton patron, car là, le facilite. Ah, ouais. Mais on n'a qu'à faire l'effort, conserver notre. Et cela. Vraiment, ça, ce n'est pas notre fête. Bon, nous allons faire comment? Nous sommes avec eux. Quand ils fêtent, ils vont nous voir. Allah dit, bon fête, on va accepter, mais on n'en sait pas. Quelqu'un va demander ça. C'est vrai, vous? Ça aussi, il y a un problème. Tu travailles, tu es un conducteur des ministres. Ah, Moussa, bon fête. Qui suit, tu ne dis rien. Je dis bon fête. Tu ne dis rien. Mais c'est comment? Tu as quel problème? Hé, hey, c'est pas notre fête. Oh, c'est pas bon pour toi. Ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. On doit faire comme Ammar a fait. Il y a un des sahabes des prophètes qui s'appelle Ammar Bouyans. Ammar, quand tout le monde est parti, il a quitté, il est parti, les Mekwa l'ont attrapé. Parce qu'à l'époque, la Mecque, c'est les grands koufars qui dominent la Mecque. Islam n'est pas encore une quoi? La majorité. Ils ont attrapé Ammar. C'est devant lui qu'on a tué son père. C'est devant lui qu'on a tué sa maman. Imaginons que tu ton père devant toi et ta maman devant toi. À cause d'Allah, ils n'ont rien fait pour moi. Devant lui comme ça. Les gens, ils ont payé cher pour gagner cela. Certains ont payé cher pour être des bons musulmans. Voilà. Vous savez, tout ce que l'homme a gagné sans facile, il ne sait pas conserver. Si l'homme a gagné quelque chose facile, il ne sait pas conserver. Vous voyez les compagnons des prophètes, ils étaient sévères parce qu'ils ont souffri avant de gagner cet islam. On a tué Ammar, son père devant lui, sa maman devant lui. Et on a dit, toi, on ne va pas te tuer, mais si tu veux qu'on va te libérer, il faut parler le mot sans sur le prophète avant qu'on va te libérer, sinon on va te tuer. Comme lui aussi, il a peur, c'est comme ça, il a parlé le mot sans sur le prophète, et on l'a libéré. Mais quand il est arrivé à Médine, ah, il était désespéré. Il dit à Rasulallah, je suis foutu. Le prophète a dit quoi, Ammar? Il a dit, les ennemis d'Allah m'ont attrapé. Ils m'ont dit de parler le mot de mauvaises choses sur toi. J'avais peur de mourir, j'ai parlé de mauvaises choses sur toi, Rasulallah. Le prophète a dit, approche, Ammar. Approche. Il a approché, le prophète a dit, Ammar. Le moment que tu parlais ça, ton cœur, tu sentais quoi? Il dit, je sentais l'amour d'Allah et l'amour de son prophète dans mon cœur. Il a dit, même si c'est demain qu'on t'a attrapé, il t'oblige, il faut parler comme tu as parlé, ta foi est la place. Tu es musulman. Et nous aussi, quand quelqu'un te dit, bon, en fait, le moment qu'on accepte dans notre cœur, qu'est-ce que nous passons? C'est notre fête? Est-ce qu'on aime ça? Non. On n'aime pas ça. Est-ce que les gens me suivent? On accepte ça parce que nous sommes avec eux. Oui, bon fait. Mais on déteste ça avec notre quoi? Le prophète a dit Marra Amin Kumunkar, Fala Yugayiru, Biedi, Fahil Nami Estati, Fabi Nisani, Fahil Nami Estati, Fabi Maza, Fabi Kobi. Là, ici, c'est rond de cœur maintenant. Est-ce que les gens me suivent bien? Parce que dans notre islam, il y a la sagesse. Il faut que nous comprenions. Bon fait. Bon fête. Mais dans ton cœur, tu sais que. Ce n'est pas bon fête. Je vais vous donner un exemple. C'est un papa chez nous au Togo là-bas. Il est l'homme de ce côté. Il est parti rester noir du Togo, on appelle là-bas Mango. S'il y a des gens qui connaissent là-bas, ici, je ne sais pas. Nord du Togo, on appelle là-bas Mango, c'est les Ivoiriens, ils étaient les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens dans les tournois, ce qu'ils sont venus rester là-bas. C'est à cause de ça, quand ils parlent les langues, ça rentre dans les djoulas ou bambara. Les choses, tu vois, quand ils parlent, ça rentre comme ça.
C'est où? Bon, lui, il est Kotokoli. Il est parti rester là-bas. Mais Tokasi, là, c'est les gens qui ont le bon cœur. Ils ont donné les terrains. Il a fait sa maison. Ils ont donné encore la femme Tokasi. Ça fait deux cadeaux, non, les pas ça. Et à la ville de Baraka, ils ont trouvé des enfants. Un jour, il est là, là-bas. Le moment qu'on joue le football, les championnats du Togo, l'équipe de ce côté, on appelle ça Semasi. Est parti pour jouer avec l'équipe de Mango, on appelle Doumé. Papa, c'est un Togolais, son équipe c'est Samasi. Kotokoli, je ne sais pas si vous comprenez. Mais il est Mango, les gens de Mango l'ont donné la femme. Ils l'ont donné quoi? Terrain. Il a encore des enfants. Ça montre que maintenant, l'équipe de sa femme, le pays de sa femme et son pays jouent. Comment ça se passe? Maintenant, il est rentré au terrain. Il est gâte. Et Semasi a marqué Doumé. Lui aussi, il est assis parmi les Tokasi, ceux qui l'ont donné la femme de terre. S'il fait oui, c'est problème, c'est pas problème. Papa, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il pleure. Les Tokasi qui sont passés, comment? Il dit, on nous a gagné. On l'a entendu. Non, laisse ça, ne fait ça, c'est fou. Tout le monde, il pleure. Jusqu'à la calme, on a amené à la maison. Semasi a bâti le mango. On est venu nous parler. Comme nous sommes parentés, on est venu dire, oh, votre papa là, il supportait le mango. Il supportait le Tokasi trop. On a manqué le Tokasi, il pleure. On est parti chez lui, papa, c'est comment? Toi, il vient comme ça avec la fête de football, tu pleures là, dit, je ne pleure pas, j'ai rien. Il dit, j'ai ri. C'est ri que j'ai changé ça, qu'on pleure comme ça. Parce que. Et dit parce qu'ils m'ont donné la femme, ils m'ont donné le terrain. Si je fais oui, ça va amener problème. Voilà pourquoi maintenant j'ai changé. Au lieu de rire, je pleure. Mais je ris dans mon cœur, mais je pleure avec l'âme. Pour que tout ça soit tranquille. Bon, quand tu es avec les gens, il y a cette sagesse. Pour vivre dans un lieu, tu peux protéger sa foi. Tu n'as pas aucun problème. Est-ce que les gens me suivent bien? Non. C'est ça qui nous arrive. Bon fête, il dit oui, bon fête. Mais dans notre cœur, on sait que c'est nous. On pense. On déteste ça. Ce qu'on ne veut pas, bon fête, mais le cœur aussi accepte, oui, c'est que ça va fête. Ou bien c'est pas ça? C'est ça que l'islam ne veut pas. Ils ont, on n'est qu'à être vigilant. Ça là et celle qui suit, ce n'est pas notre fête. Parce que celle-ci, on a fini par Noël. Noël d'accepter ça, c'est le chic qui est associé à Allah. Maintenant, bonne année, on dit nouvelle année. On dit nouvelle année. Alors que nous, notre nouvelle année déjà passée. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Ils disent, ce n'est pas notre nouvelle année. Mais la manière qu'ils sont en train de crier, la bouche accepte, mais le cœur toujours déteste. Parce que tu vas arriver dans ton travail. Jusqu'on va te donner calendrier. Combien on est dans le bas? Et toi, tu travailles et on ne te paye pas selon le calendrier islamique, non. On te paye selon le calendrier là qu'on t'a donné. Donc, si tu le fais ça, comment tu vas compter les dates qu'on va te payer? Voilà le problème. Toucher ça demande quoi? Quelque chose. La sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est comme ça, l'islam. Mais dans notre cœur, ce n'est pas notre fête. Mais le plus danger, c'est au niveau de nos enfants. Les sages, il n'y a pas d'avis, mais au niveau de nos enfants, à nous de donner une bonne éducation à nos enfants. Faites-les comprendre que ce n'est pas notre fête. C'est à cause de ça, tout ce que les jouets, nous les papas, faut qu'on les amène pour que ça, c'est leur cadeau dans ce moment. Non, on n'est qu'à éviter. Parce que les enfants, ils ont la tête, le cerveau qui est fragile. Une petite chose à l'école, là, pour faire sortir ce problème. Hein? Pour faire sortir ce problème. Un petit qui fait l'école arabe, une petite fille, et son venus en train de manger avec maman. Le petit a fait bismillah, la petite a fait bismillah. Elle a observé ça, mais maman n'a pas fait bismillah.
Ils ont mangé, fini de maman. Je vais te dire que Jésus l'a dit. Il dit, nous, on nous a enseigné à l'école que toute personne qui n'a pas fait le chéta et mange avec chéta, chéta est dans ton ventre, maman. Maman dit, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça au sein de la série. C'est Harris des prophètes, maman. Il a tiré ça là, en arabe. Il a expliqué ça en français. Maman dit, j'ai fait le chemin que tu n'as pas fait. Comme maman aussi n'a pas appris. Maman dit, là, je suis foutu, là, j'ai tant dans mon ventre, je fais comment? Et là, il dit, il y a la solution. Le sang dit, celui qui a oublié, il faut dire, il faut faire ça, il va sortir encore. Les enfants, ils captent des trucs que tu as. Ils captent. Ça coûte ça, quand tu es avec l'enfant, ne blague pas avec son éducation. Fais très très attention, Wallah. Très très attention. Nous, Afrique, ici, on blague. Chez les Blancs, l'enfant, même à l'école, avant qu'on amène les enfants, c'est à cause de ça, vous voyez les Blancs, quand ils déposent des enfants, devant les enfants, beaucoup de jouets là, ce n'est pas ils déposent pour rien, hein. Ils déposent pour observer l'enfant. Parmi tous les jouets, ici la voiture, ici la maison, ici les arbres, ils voient l'enfant, il se coche de coup. Dès qu'il va voir, s'il voit que c'est les arbres, là, il va faire une chose, l'école de Machallah. Si c'est construction, c'est un ingénieur. Si c'est la voiture, c'est comme ça. C'est à travers de là qu'il connaît ce quel matière l'enfant va prendre. C'est comme ça. Parce que les enfants, c'est comme ça, Allah les a fait. Nous, les musulmans, on est qu'à faire très, 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 très attention. À l'école, on les enseigne tout ce que le roux doit nous. Quand il vient à la maison, nous, on est qu'à faire l'effort pour faire sortir ça dans l'air. Car là, nous facilite. Car là, nous pardonne. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.